Bonjour à toutes et à tous, on est en live, bienvenue sur ce nouveau webinaire de la Station Web. Alors j'hésitais à vous faire la blague sur bienvenue à l'entre-deux-tours des présidentielles, mais je me suis dit que c'était foireux, donc on va pas commencer par ça. Voilà. Surtout que je n'ai pas Marine Le Pen à ma gauche, mais Jordan Lapandry, qui est une personne d'exception, vous la connaissez déjà, et on parlera de lui, mais un petit peu plus tard. Avant ça déjà, merci à vous de vous être inscrits, encore une fois, plus de 500 inscrits, donc ça c'est... une réussite, notre plus gros webinaire. Nouvelle nouveauté, synonyme, on est en direct à la fois sur YouTube et sur LinkedIn, voilà. Qui est la thématique du jour. Donc ça, c'est, on est vraiment contents. Là, je vois par exemple que Mélanie est connectée, Vincent est connecté. Donc ça, c'est du côté de LinkedIn. J'ai du côté de YouTube Corinne qui est connectée, Ismaël, François. Donc encore une fois, merci beaucoup. Aujourd'hui, la thématique, c'est LinkedIn, mais LinkedIn... plutôt niveau expertise forte, puisqu'on va notamment parler de personal branding et comment avoir une stratégie d'influence performante sur ce réseau social. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter notre star de la journée, quelques petits rappels. Comment ça va se passer? Alors, deux thématiques principales, toujours avec en lame de fond LinkedIn. Première partie sur la visibilité, donc comment être visible sur LinkedIn. Donc là, on va notamment parler de votre profil. Deuxième partie, on va parler de la notoriété. Donc, comment avoir une stratégie de notoriété, comment mettre en place une stratégie de notoriété sur LinkedIn. Troisième partie, et non des moindres, la fameuse bot secrète de Jordan. Il va nous partager son, voilà, le tip, ce qui fait vraiment la différence. Ça sera en dernière partie, donc autour de finalement 14h10, puisqu'on devrait finir ensemble à 14h15, et on aura besoin de vous à la fin, mais je vous en dis pas plus, donc restez connectés jusqu'au bout. Un petit peu de teasing, ça fait jamais de mal. Incroyable. Alors, première question pour vous, participants. Déjà, qui êtes-vous? Alors, je sais qu'on a beaucoup d'organismes de formation, mais juste en un mot, votre profession. Donc ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que vous utilisez LinkedIn à titre personnel ou professionnel? Donc, un, qui êtes-vous? Donc, votre statut, entre guillemets, votre profession. Et deuxièmement, est-ce que vous utilisez LinkedIn, oui ou non? Est-ce qu'on a des retours déjà? Toi, tu auras toujours un petit décalage, mon pauvre. Ah, il y a David qui arrive, super. Donc ça, c'est terrible. Très bien. Alors, on commence. Qui ai-je à ma gauche, à ma droite pour vous? J'ai notre Jordan National. Donc Jordan, alors on te connaît déjà un petit peu maintenant sur les lives de la Station Web, mais en deux mots, qui es-tu? En deux mots, alors je suis à la fois régisseur son, régisseur image, directeur artistique et social media manager. Autant dire que je suis multicasquette. Et il est vrai que j'ai une expertise qui est quand même un peu plus poussée du coup sur les réseaux sociaux et notamment du coup le sujet du jour avec LinkedIn. Quoi. Ok, donc expert réseaux sociaux, donc tu travailles pour l'agence Stank et tu es formateur au sein de la Station Web. Et ben voilà, t'as tout dit. Okay, super. On rentre dans le vif du sujet, on va passer là 40 minutes ensemble. Donc je répète, hein, première partie sur la visibilité sur LinkedIn, deuxième partie sur la notoriété. Première partie, déjà pourquoi on fait un live entier sur LinkedIn et pourquoi pas sur un autre réseau social? Eh bien c'est une très bonne question mon cher Victor. Non, en effet, on a préféré privilégier LinkedIn avant de faire d'autres lives éventuellement sur d'autres réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que LinkedIn est un réseau social qui se veut professionnel. Donc énormément d'organismes de formation qui sont quand même notre cible principale aurait pour intérêt justement de figurer sur ce réseau-là en priorité. Et aussi parce que vous allez le voir, LinkedIn aujourd'hui, c'est clairement un vivier hyper intéressant pour justement développer son réseau professionnel et forcément les opportunités pour obtenir des clients. Quoi. Ok, donc c'est à la fois le côté client, ouais. Réseau et le côté visibilité. Tout à fait. Et aussi parce que je pense que beaucoup, une fois encore par rapport à notre cible, hein, mais je pense que beaucoup de personnes... S'ils avaient à choisir un réseau social de prédilection, d'entrée, d'ailleurs je vous invite à nous dire en commentaire si c'est le cas ou pas, mais je pense que ce serait quand même LinkedIn. Voilà. Ok. Alors du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet, la partie visibilité sur LinkedIn. De quoi on parle? C'est vrai que du coup, en premier lieu, avant de vraiment s'attarder sur son personal branding, sur vraiment justement développer son autorité, etc., ce qui va être important, ça va être de travailler la devanture de son magasin, si je puis dire. Donc en gros, ça va être de travailler son profil. Et si vous voulez, en fait, avant justement d'aller beaucoup plus loin dans la stratégie, c'est vraiment la priorité sur laquelle il faut commencer à bosser. Avoir un profil qui se veut être rempli à 100%. Aujourd'hui,
Je ne sais pas si toi ça t'arrive d'ailleurs en te baladant sur le réseau, mais on a beaucoup de personnes qui en fait sont restées sur le côté basique de LinkedIn, c'est-à-dire qu'ils ont créé leur profil peut-être quand ils avaient 18 ans à l'issue de l'école, dans l'espoir de trouver un travail, et ils sont jamais allés retourner sur leur profil où ils ont cherché à le travailler. Or, ça fonctionne un peu comme Google quand on y réfléchit, c'est-à-dire que sur Google, les gens ils vont taper des requêtes, ils vont tomber sur des sites web. LinkedIn et son moteur de recherche interne, c'est un peu le même fonctionnement, mais sur le côté humain. En gros, ce qu'on va faire, c'est que les gens ils vont taper des requêtes très précises, des mots-clés dans le moteur de recherche. Et LinkedIn, lui, ce qu'il a pour objectif, c'est du coup de lui proposer à cet utilisateur et ben, des individus qui sont sur sa plateforme et qui répondent à ces requêtes-là. Comment on fait? Et ben, c'est justement en travaillant sur le Ouais, mais profil là tu vas et en intégrant beaucoup des trop mots-clés. vite, Jordan, beaucoup trop vite. On est étape par étape. Alors, non, blague à part, parce que je vois que vous êtes beaucoup plus nombreux que les premières minutes à vous être connectés, donc je fais un petit récap de où on en est. Donc là, c'est un webinaire sur la station web et le sujet d'expertise d'aujourd'hui qui est LinkedIn. Deux parties, première étape la visibilité, deuxième étape la notoriété. Donc là, Jordan vient de se présenter rapidement et de nous dire pourquoi LinkedIn était le réseau social primordial. Je fais un petit tour de qui vous êtes, qui on a en face de nous. Donc on a beaucoup de formateurs, de consultants indépendants. On a par exemple Alioun qui est formateur. On a Vanessa qui est formatrice et consultante. Elle commence doucement sur LinkedIn. Donc bonjour à Vanessa. On a Abigail qui est animatrice réseau dans un réseau national et centre de formation. On a Laura qui est responsable projet, conceptrice et marketing. On a Alexandra, on a Christophe, on a Sylvie. On a Mirabel, enfin bref, on a pas mal de monde et on est rassemblés aujourd'hui sur cette thématique qui est LinkedIn. Donc on a vu pourquoi LinkedIn était le réseau primordial et maintenant du coup on avance sur le côté visibilité. Un profil pour qu'il soit performant et qu'il soit visible, comment on le construit? Qu'est-ce qui est important? Excellente question. Bah, je pense qu'il serait intéressant si Dame Régie, Dame Sarah, nous fait l'honneur de nous partager. Bah, typiquement, tu pourrais te mettre sur mon profil LinkedIn, ne On a serait-ce que Sarah du coup qui est juste derrière la régie, hein. Pour illustrer que les gens ils aient concrètement un petit visu de ce dont on va parler. Mais en gros, son profil LinkedIn, ça va se travailler en différentes étapes. Déjà, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que, donc, si ça partage à l'écran, c'est déjà voir et regarder en diagonale ce qui se passe sur le profil. Il y a déjà deux éléments majeurs qui vont être principalement mis en avant. On a déjà la bannière et la photo de profil. Et aujourd'hui, moi, je suis un peu désolé de me rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, finalement, ne travaillent pas du tout leur bannière LinkedIn, alors que on peut le voir quand même, c'est le truc qui t'accapare l'œil en premier lieu. Et il y a une vraie opportunité, justement, en travaillant ça proprement, à justement, bah, soit mettre en avant l'expertise forte pour que les gens comprennent d'entrée de jeu à qui ils ont affaire. Vous pouvez éventuellement aussi bah, pousser, pourquoi pas, tout ce qui va être vos coordonnées personnelles, ou même alors un petit message du style. Là pour le coup, moi j'ai mis je suis social media manager EDA, ce qui veut dire que les gens ils savent à qui ils ont affaire dès qu'ils arrivent sur mon profil, etc. Après, il y a aussi la photo de profil, hyper important. Ça paraît tout bête de dire ça comme ça, mais aujourd'hui on a encore plein de gens qui ont des photos de profil. Je rappelle qu'on est sur un réseau social professionnel, il faut quand même avoir un truc qui renvoie une image de marque qui se veut quand même bah, assez quali. Faut avoir un côté quand même assez sympathique. Si vous faites la gueule, il est évident que les gens vont pas forcément avoir très envie de faire appel à vous, quand même, ça fait partie du job. Donc là, on est allé sur quelque chose de très sobre, un petit fond blanc, on a une photo de trois quarts qui est prise au niveau du buste, on affiche évidemment son meilleur smile, et puis là, c'est tout bénef. Juste là, du coup, tu parles donc du visuel, donc la photo de profil et Ouais. la bannière. Tu les as faites sur quel logiciel? Ah, Dame Sarah, une fois de plus, est-ce que vous pouvez nous partager l'outil sur lequel on a fait ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas forcément d'énormes talents créatifs. Rassurez-vous, j'en ai pas forcément plus que vous. Il n'est pas en Mais train de dire que vous n'avez pas de talent. Je oui, sous-titre. on peut dire ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, il existe plein de sites gratuits sur Internet qui vous permettent justement de faire tout ce qui est la partie créa. Moi, celui que j'ai utilisé pour la plupart des bannières, que ce soit pour l'agence ou pour la mienne perso, etc., généralement, c'est Canva, qui est assez Ok. réputé d'ailleurs pour l'occasion. Ça, tu l'as fait sur Canva du coup. Ça, c'est fait sur Canva, Ok. tout à fait. En fait, vous avez déjà des formats qui sont prédéfinis, ce qui est hyper facile d'utilisation. Vous pouvez soit vous baser sur ce qu'on appelle des templates, comme on peut le voir à l'écran sur la gauche, c'est-à-dire que c'est des exemples qui sont déjà tout faits. Soit, bon, bah après, moi, j'ai du coup essayé de réadapter à ma sauce. Là, c'était pour, en l'occurrence, notre collègue Maude, qui Ok. justement Bonjour à Maude. veut développer sa page. Maude, en avant-première, devant tout le monde, tu vois ta bannière sans même être au courant. Super. Et du coup, voilà un peu à quoi ça ressemble. Mais ça, c'est très facile à faire une fois encore. Donc là, on est, je répète, hein, partie visibilité de votre profil, la photo, la bannière, donc Ouais. ça sur Canva, il faut la travailler. C'est vrai que là, on a l'exemple de
ton profil Jordan. Celle de mode est encore plus parlante parce que typiquement, donc en fait, ce qu'on a intégré, c'est un petit call to action du style suivez-moi. Parce qu'en fait, là, l'objectif, une fois encore, c'est que les gens s'abonnent justement à ce qu'elle fait pour développer son réseau. Okay. On a mis une catchphrase où en fait, on dit qu'elle accompagne les entreprises à se développer pour que vraiment on comprenne bien. Et après, on a des petits éléments de réassurance comme par exemple le badge Google Partner. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Ensuite, là, je vois que tu as mis en dessous des mots-clés. Ouais. Il y a même une phrase, augmenter vos ventes et développer vos réseaux sociaux. Bah là, une fois encore, Sarah, tu peux repasser du coup sur mon profil LinkedIn pour que ce soit un peu plus concret. Mais... Donc après, les éléments qu'il va falloir travailler une fois qu'on a fait la partie visuelle, ça va être évidemment la partie textuelle. Votre nom et votre prénom, là, techniquement, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Si vous avez déjà des problèmes, va falloir commencer un petit peu à s'inquiéter. Mais ce qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est la rubrique qui est juste en dessous, qui, elle, s'appelle le titre. Donc, en l'occurrence, ici, sur mon profil, moi, j'ai indiqué « Expert Social Media et Ads ». Et ensuite, j'ai rajouté une petite phrase qui est du style « Augmenter vos ventes et développer vos réseaux sociaux ». Pourquoi cette logique-là ? Parce que c'est ce que je t'expliquais juste un petit peu plus tôt, si jamais vous nous rejoignez que maintenant. En gros, ça fonctionne de la même manière que Google. C'est-à-dire que les gens, sur LinkedIn, le premier truc qu'ils vont faire, c'est regarder leur fil d'actualité. Le deuxième truc qu'ils vont faire, c'est utiliser le moteur de recherche interne, taper des mots-clés pour justement soit faire leur veille, soit trouver des personnes qui pourraient les intéresser pour faire appel au service, etc. Moi, ma logique a été de me dire je suis expert social media et ads. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en avant parce que si quelqu'un tape l'un de ces mots-clés sur LinkedIn, il n'est pas impossible que moi j'apparaisse justement dans la liste des personnes qui lui sont suggérées. Et là, par exemple, on a beaucoup de... C'est le cas de Mirabel, de Manuela ou de Christophe, par exemple, qui sont des formateurs, formatrices au OFEM. Les mots-clés à mettre en avant, c'est quoi ? C'est formation, c'est... Alors justement, là, moi, typiquement, la stratégie que j'ai adaptée, après, ce n'est pas forcément hyper vrai pour tout le monde. Je pense qu'en parallèle, Sarah, tu peux peut-être essayer de taper des mots-clés dans la barre de recherche pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Mais en gros, en fait, moi, j'ai essayé d'avoir une stratégie double. C'est-à-dire que, premièrement, j'ai voulu focaliser sur des mots-clés très précis, comme expert social media, okay. Ads. Et après, je me suis dit, en vrai, comme sur Google, il y a des gens qui ont un réflexe bizarre, c'est de taper exactement une phrase complète dans l'objectif de que ça réponde à justement une demande. Et donc là, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens sur LinkedIn qui veulent augmenter leurs ventes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai intégré dans mon titre « Augmenter vos ventes », développer vos réseaux sociaux. Ce qui veut dire que si quelqu'un va taper ça dans le moteur de recherche, il n'est pas impossible une fois encore que j'apparaisse dans les suggestions. Ok, donc ça veut dire que par exemple, nous à la station, on fait des formations en web marketing, on pourrait très bien mettre « vous former au web marketing ». Par exemple. Ok. Par exemple, ouais. Nice. J'en profite, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On prendra évidemment un temps à la fin pour y répondre, mais aussi on en prendra quelques-unes à la volée pendant les échanges qu'on a avec Jordan. Oui. Alors, on a vu du coup le haut. Donc, la bannière, la photo de profil, j'aime beaucoup la référence à Google. Ça, je n'avais pas forcément moi en tête le fait de rechercher un peu sur LinkedIn quand on recherche sur Google. Je trouve que c'est assez parlant. Si on descend un petit peu, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Bah, après, pour la partie de mon profil à moi, une fois encore, Sarah, si jamais tu veux te mettre dessus. Là, ça va être un petit peu spécifique et c'est pas impossible que vous voyez des choses apparaître que vous n'avez pas sur votre profil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon profil à moi, je l'ai basculé justement sur une nouvelle fonctionnalité qui est proposée par LinkedIn, qui est le mode créateur. Okay. En gros, moi, je vous invite vraiment à le faire parce que ça va vous développer justement des nouvelles fonctionnalités et vous aurez des statistiques un peu plus poussées. Et c'est aussi et surtout intéressant parce que vous pouvez mettre davantage en avant votre ligne éditoriale. Typiquement, sur mon profil, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir ? On peut s'apercevoir qu'il y a 5 sujets de prédilection qui sont suggérés aux personnes qui consultent ma page. En l'occurrence, du coup, bah, sans surprise, tout ce qui est business, marketing, ads, etc. Donc ça, c'est grâce justement au fait que je sois passé en mode créateur. LinkedIn nous permet de choisir jusqu'à 5 hashtags pour renforcer sa ligne édito et que justement l'utilisateur sache un peu à qui il a affaire. Et ça, je trouve ça hyper pertinent parce qu'une fois encore, dans le moteur de recherche interne, quand on va s'intéresser justement à tout ce qui va être service, etc., on va une fois encore popper justement dans les suggestions. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont déjà en mode créateur sur LinkedIn ? J'aimerais bien voir la stat pour voir si c'est connu. Moi, par exemple, je ne connaissais pas, je suis peut-être un bon client. Bonjour à Anne-Gaëlle, au passage. Donc, est-ce que oui, parmi vous, il y en a qui ont déjà un profil mode créateur ? Alors après, il y a un peu à boire et à manger par rapport à ce mode créateur, je me permets de faire une petite aparté. Il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient pas. Faut savoir que vous pouvez l'activer et le désactiver à tout moment. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est le tester, voir si ça vous convient et si, bah, ma foi, vous y voyez un intérêt en termes de reach. Si c'est pas le cas, vous pouvez le désactiver à tout moment, il n'y a aucun problème.
Ok, donc c'est facile à activer et facile, facile à désactiver. Et petite particularité en termes d'outils supplémentaires qui vous sont proposés, en fait, vous pouvez faire des live LinkedIn depuis votre profil perso si vous avez un compte créateur. Et vous avez également accès aux newsletters, petite nouveauté de 2022. Ok, d'accord. Alors, voilà. Je vois que là, du coup, on a pas mal de réponses et on a moitié de non, moitié de oui pour l'instant. Oui, donc, en oui, on a David, Alexandra et la deuxième Alexandra. En fait, on a plus de non, pardon. Hein, parce que là, on est sur 70% de non. Du coup, je refais un focus sur le mode créateur. Donc, il permet de mettre plus en avant son expertise et son profil. Tout à fait. D'avoir accès, du coup, au live. Ouais. Et à quoi d'autre, tu disais ? Après, vous pouvez aussi mettre en avant vos offres de services. Typiquement, okay. Si Sarah, tu veux rebasculer sur mon profil pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Ça, une fois encore, c'est intéressant parce que maintenant, dans le moteur de recherche interne, ils ont inclus, en plus de tout ce qui va être poste, entreprise, secteur d'activité, etc., ils ont inclus un onglet service pour les gens qui, dès le début, cherchent un prestataire de service sur LinkedIn. Okay. Donc, autant dire que là, c'est juste bingo si vous avez mis ça en place parce que derrière, vous avez beaucoup de chance d'apparaître, surtout si, comme nous le signifie le chat, beaucoup de gens n'utilisent pas cette fonctionnalité, en fait. Ouais, j'imagine. Alors, voilà. Question pertinente, payant ou pas ? Eh bien non. Eh bien non. Incroyable, LinkedIn nous propose un truc gratos. Et ça, ça fait plaisir. Donc, ça veut dire qu'on a des features en plus, ouais. Mais gratuitement. Tout à fait. Pas besoin d'abonnement, c'est navigateur, bon, bah, ça, on prend. Ça, on prend, c'est du pain béni. Alors, on a une question de Christophe. S'il vous plaît, les mots-clés de recherche vont aller taper où ? Dans notre titre uniquement ou partout dans notre profil ? Ah oui, d'accord. Donc, ah, j'essaie de rephraser, si j'ai bien compris Christophe, ou me corriger si ce n'est pas le cas. Est-ce que quand je tape un mot-clé dans la barre de recherche, LinkedIn va chercher partout sur le profil ou juste sur le haut du profil ? Alors, à en croire ce que moi je retrouve à chaque fois quand je tape justement des mots-clés dans la barre de recherche, c'est principalement au niveau du titre. Ok. Néanmoins, en effet, c'est pas bête de quand même avoir ce réflexe d'essayer de faire apparaître un maximum de mots-clés une fois encore sur tous les différentes rubriques possibles de LinkedIn. Parce que si jamais vous ne popez pas sur LinkedIn par rapport à ces mots-clés-là, peut-être que votre profil va popper sur Google sur ces mots-clés-là. Okay. Donc là, réponse sur l'algorithme notamment. A priori, quand vous faites une recherche dans la barre de recherche en haut de LinkedIn, ça va uniquement chercher les mots-clés qui sont dans le haut de votre profil. Donc typiquement le titre et les mots-clés si vous êtes dans le mode que tu as précisé ultérieurement. Très bien, on avance un petit peu, du coup on a vu le profil, on reste encore un petit peu sur le profil parce qu'on a un petit peu de temps. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres points clés sur le profil à mettre en avant ? Bah, moi ce que je vous invite à mettre en avant très rapidement après, c'est que vous avez une rubrique assez récente en soi, je pense que ça date d'il y a peut-être maintenant 8 ou 9 mois, peut-être un petit peu plus, qui s'appelle « Ma sélection ». Okay. En fait, si vous avez des posts que vous tenez absolument à mettre en avant pour une raison X ou Y, parce que vous présentez justement une formation spécifique, votre service ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez justement la faire apparaître sur votre profil, ce qui veut dire que les gens qui ne vous connaissent pas mais qui arrivent sur votre profil en premier lieu, s'ils ne savent pas trop vers quel type de poste se diriger vis-à-vis de vous, eh bien vous allez les sélectionner pour eux, et comme ça ils pourront directement se balader et voir ce que vous faites. Okay. Pour l'exemple, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en avant un de mes derniers articles justement pour apprendre à faire un profil parfait, quelques news que j'avais trouvées sur Facebook, Insta, ou même encore mon CV à l'époque où je cherchais du taf. Très clair tout ça. Alors on reste encore une minute sur la visibilité, ensuite on passe à la notoriété qui est le fond du sujet pour notre webinaire aujourd'hui. Je vois que dans la préparation que tu avais fait pour les tips pour booster le profil, tu avais mis modifier l'URL. Oui. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire que quand on crée son profil pour la première fois sur LinkedIn, on a donc une URL qui nous est d'office donnée. Okay. Et le souci qui se passe, je vous invite d'ailleurs à aller checker la vôtre pour l'occasion. Sarah, je sais pas si tu vois où est-ce que ça se check, ce genre d'info. Mais en gros, si tu te mets sur ton profil perso à toi, en tant qu'admin, en haut à droite, t'as français, anglais et dessous modifier l'URL. Voilà. Bon, bah, tu peux montrer aux gens à quoi ça ressemble. En gros, de base, en fait, LinkedIn va vous donner une URL qui se veut non personnalisée et justement parfois un peu pétée. L'objectif ici, c'est que justement vous la changiez sur la fin et que vous mettiez votre nom-prénom. Ce qui veut dire que dès que les gens vont taper votre nom-prénom, que ce soit sur Google ou sur LinkedIn, il y a davantage de chances que ce soit votre profil qui s'affiche. Voilà, globalement. Okay. Donc alors, je fais un petit récap avant de passer sur la partie notoriété. Je me lance. Donc, la bannière. Force à toi. La bannière, là, on a l'exemple de celle Jordan qui est très bien faite, qui a été faite sur Canva. Mm. La photo, c'est aussi très simple, je crois, sur Canva d'enlever l'arrière-plan. Ouais, tout à fait. Il y a fonctionnalité en un clic pour ça. Fonctionnalité payante. Payante, bon. Ça ne peut pas être tout le temps gratuit. Et, je me permets, vas-y. Mais si vous êtes utilisateur téléphone, il y a une petite feature assez incroyable au niveau de la photo de profil.
Sarah, si tu peux me faire le plaisir de montrer aux gens à quoi ça ressemble, c'est qu'en gros, si vous voulez encore plus humaniser justement votre profil, et notamment dans le cadre du personal branding, okay. On peut maintenant, à la place d'une photo, avoir sa vidéo qui s'affiche à l'écran. Ça dure 30 secondes. Directement sur LinkedIn ? Directement sur LinkedIn. On peut voir ça, Sarah ? Normalement, ça va s'afficher, mais on a un petit délai, donc c'est un peu relou. Mais typiquement, j'en ai fait un, pour l'exemple, là, il y a 15 minutes avant qu'on lance le live. L'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez justement, bah, si imaginons vous allez faire un événement assez fat du style, bah, là, vous faites un live deux jours après, on peut l'annoncer sur sa photo de profil. L'idée, c'est que derrière, bah, les gens ils se disent « Ah, c'est cool, je vais vouloir aller suivre ce qu'il fait un petit peu. » Ils s'inscrivent, etc. Et ça, ça peut être utilisé du coup sous plein d'autres formes. Ah, tu vois, typiquement, voilà, je pense que vous l'avez vu il y a quelques secondes, on a un peu de retard, mais là, je le vois, effectivement, c'est pas mal. Donc, petit tips en plus, l'URL, les mots-clés. Alors, je reviens sur le mode créateur qui a pas mal fait parler de lui dans le chat. Comment on l'active ? Est-ce qu'on peut peut-être juste montrer rapidement comment on active le mode créateur ? Ouais, bah ça, Sarah, tu peux le faire à travers ton profil, je pense, pour le coup, parce qu'il faut avoir les accès admin. Mais en gros, en fait, quand vous scrollez un petit peu, justement, en dessous de tout ce qui est parti, titre, bio, etc., vous avez justement la possibilité de sélectionner, d'activer le mode créateur. Okay. Malheureusement, je n'ai pas la main sur ce qui vous est présenté, donc Dieu merci, Dame Sarah est là pour nous aider. Mais globalement, voilà comment ça marche. Quoi. En soi, c'est très très simple. Et au pire, vous avez tout un tas de guides sur Google qui sont hyper bien expliqués. Oui, et si besoin, on y reviendra plus tard, hein, sur le mode créateur, il n'y a aucun souci. Alors, du coup, là, on a passé un petit peu de temps sur la visibilité. Hop, étape supplémentaire. Donc là, visibilité, on est là. Qui dit visibilité, dit ensuite possible notoriété. Ça veut dire quoi déjà ? Possible, impossible. Ça veut dire quoi, la notoriété sur LinkedIn ? Oula, alors la notoriété sur LinkedIn, c'est un petit peu l'objectif que tout le monde va avoir aujourd'hui, notamment les influenceurs sur LinkedIn. Okay. Là, l'objectif, en fait, c'est qu'une fois encore, on est sur un réseau pro. Donc, tu es un influenceur, tu habites à Dubaï, c'est ça que tu es en train de me dire ? Et non, je ne vends pas l'eau de mon bain, si c'est ta question. Non, là, en fait, vraiment, l'objectif, c'est en fait de donc développer son réseau. Et okay. Donc ça va se faire de différentes manières, on l'expliquera après. Et notamment, faire en sorte à ce que ces posts obtiennent un reach assez important. Le reach, c'est quoi ? En gros, c'est essayer d'avoir le maximum de portée possible pour justement toucher un maximum de personnes et, effet boule de neige, faire en sorte à ce que ça vous apporte un maximum de leads dans l'idéal pour que justement les gens achètent vos formations, prennent contact avec vous, etc. Donc, la notoriété sur LinkedIn, c'est grosso modo quand je poste quel contenu qu'il soit, faut gagner en viralité, toucher le plus de monde possible. Ouais. Ok, on sait ce que c'est. Comment on fait ? Ouais. Oh, direct, là, hop, ça, ouais. On n'a pas le temps. Alors, il y a plusieurs techniques pour ça, justement. Okay. Le premier truc, donc, ça a été de travailler son profil à 100%. Ça, c'est sous fait, super, génial. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est justement avoir une vraie stratégie de contenu, parce que sans ça, vous n'allez pas aller bien loin. Et donc, avant de vous lancer corps et âme dans la création de posts, moi, ce que je vous invite à faire, premièrement, c'est toute la partie réflexion. Soyez en mesure de bien définir vos cibles. On le rabâche, je pense, à tous les webinaires, mais c'est hyper important. Donc, les fameux personas, etc. En fait, pas 40, ça sert à rien. Honnêtement, vous en prenez 2-3, ça fait amplement l'affaire. Une fois que vous avez fait ça, vous avez compris quels ont été leurs besoins, quels ont été leurs freins, etc. Logiquement, vous avez déjà des idées de thématiques, de sujets qui émergent un peu déjà. C'est-à-dire que vous aviez vos thématiques que vous aviez déjà vous en tête, mais couplées en plus avec les besoins de vos personas, vous devriez déjà avoir au moins 5 ou 6 idées. Quoi. Okay. Et l'idée, c'est que quand on a ces 5 ou 6 idées, on les fait apparaître justement dans un calendrier éditorial. Donc, c'est-à-dire que sur le mois, vous planifiez tous vos contenus. La logique voudrait que vous ayez un rythme qui soit quand même pas forcément soutenu, mais régulier. C'est hyper important. Donc nous, en général, ce qu'on recommande, c'est que vous faites au moins un post par semaine, voire deux dans l'idéal. Vous répartissez ça dans le mois. Et déjà, là, vous commencez à avoir les prémices d'une belle structure, justement, stratégique pour votre personal branding. Après, il va y avoir d'autres étapes, comme notamment savoir comment faire pour avoir un post qui performe. Parce que ça, c'est aussi un autre sujet. Donc, si je récapitule, première étape, le profil. Ouais. Donc, en gros, il faut avoir un profil qui, concrètement, fasse bonne figure. C'est la devanture de votre magasin, il faut que les gens y rentrent dans le magasin. Donc, le profil, la devanture du magasin. Une fois qu'on rentre dans le magasin, donc là, le parallèle n'est pas terrible, mais côté notoriété... Je l'avais pas côté vu comme ça, hein, côté notoriété pour LinkedIn. Donc, une stratégie de contenu, donc déjà une stratégie, ouais. Ça c'est le premier truc, donc avec les fameux persona, qui vous voulez toucher, comment vous voulez toucher. Ça prend du temps, mais c'est du temps qu'on va gagner en fait par la suite, donc c'est ça qu'il est important de prendre en compte. Une fois qu'on a défini le comment, je pense que la question que beaucoup de monde se pose, en termes de postes, ouais. Est-ce qu'il y a des postes qui fonctionnent mieux que d'autres ? Est-ce qu'il y a des jours particuliers ? Voilà. Alors,
Il y a des choses à prendre en compte vis-à-vis évidemment de l'algorithme de LinkedIn. Tous les réseaux sociaux ont leur algorithme et tous les réseaux sociaux ont un algorithme qui fonctionne différemment. Okay. Celui de LinkedIn, on va pas aller trop dans le détail, je vous inviterai à acheter la formation pour ça évidemment. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a évidemment des jours à respecter pour communiquer. Déjà, moi, je vous le dis, je ne comprends rien à l'algorithme LinkedIn. Je me suis essayé moi-même à faire des petits posts. Il y en a où j'ai touché deux personnes, dont ma mère. voilà. Et il y en a où j'ai touché 40-50 personnes. Ouais. Mais en postant pas les mêmes choses, mais il y avait la même dynamique, la même logique derrière. Et sincèrement, je ne comprends pas la différence. Alors, il y a différents trucs à prendre en compte pour la rédaction d'un post. Si vous vous attardez sur la période, moi ce que je vous invite à faire, c'est que vous n'allez pas forcément avoir des périodes clés, si ce n'est qu'en effet, il vaut mieux quand même programmer ses posts sur la semaine plutôt que faire ça le week-end, parce qu'on est sur un réseau pro et que les gens consultent ça quand ils sont au travail. Ok, donc souvent. On ne poste pas le week-end? Non, généralement pas le week-end. Okay. Après, vous pouvez tester, mais généralement, c'est assez peu concluant, quoi. Ce que je recommande aussi, c'est généralement, c'est soit poster plutôt le matin, c'est-à-dire quand les gens s'apprêtent à aller au boulot, sur le chemin du boulot ou dans le métro, c'est vrai qu'on a tendance à faire un peu notre veille, à consulter, etc. Ou à contrario, sur les heures creuses comme le midi ou en fin de journée, vers les 18h. En général, ça marche plutôt bien. Une fois encore, ce n'est pas science infuse et science exacte ce que je dis. Ça dépendra énormément forcément de votre public et de vos statistiques personnelles. Okay. Ce qui m'amène à vous dire, pensez à regarder vos statistiques sous vos posts aussi, parce que vous allez avoir beaucoup d'indicateurs clés qui vous permettront de prendre des décisions. Hyper important. Maintenant qu'on sait ça, il va falloir être en mesure de faire un post, un bon post. Et ça, ce n'est pas forcément chose évidente. On a décelé, après moult et moult tentatives au sein de l'agence, et d'ailleurs même plein de gens influenceurs sur LinkedIn, qu'il y avait en effet quelques trucs qui étaient importants à prendre en compte quand on fait un post. Okay. La première chose, ça va être évidemment le format. Aujourd'hui, il faut savoir que sur LinkedIn, vous avez vraiment tout un tas de formats qui vous sont disponibles. On a de la vidéo, on a du textuel, on a les sondages, on a les carousels, etc. En temps normal, ce qui semble fonctionner le mieux aujourd'hui, ça reste quand même les carousels, plutôt que les vidéos. Alors, carousel, ce que je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde, est-ce que tu peux expliquer ou même mieux, est-ce qu'on peut avoir un exemple de carrousel Et c'est le moment de faire ta pub, Sarah, là. Donc là, si t'as envie de te chauffer, nous fais signe non. La personne en régie qui s'appelle Sarah, vous allez la voir dans la vraie vie, en tout cas sur LinkedIn, elle est plutôt assez performante, il faut l'admettre. Ouais, et en fait, ce qui fait que ça marche bien, typiquement, bon, pour l'exemple, que ce soit Sarah ou que ce soit Arthur, je sais pas ce que tu vas montrer, j'en sais rien, mais concrètement, en fait, le carrousel, c'est donc une suite d'images, en fait. Ok. Et pourquoi c'est plus intéressant que la vidéo? C'est des slides. C'est des slides, ouais. Tout à fait des slides. Okay. C'est plus intéressant que la vidéo parce que ça, en termes du X, en termes d'expérience utilisateur, quelque chose qui est plus intéressant. Une vidéo, même si elle ne dure que très peu de temps, 2 minutes, la personne, elle est obligée de la consulter en fonction du rythme que vous imposez. Alors que le carrousel, ce qui est intéressant, c'est que vous allez du coup dispatcher votre information parmi différentes slides. L'utilisateur, s'il n'est pas bête, il va aller sur les slides qui l'intéressent d'entrée de jeu. Il ne va pas s'amuser à tout lire, etc. Donc en effet, c'est quelque chose qui a tendance à plutôt bien marcher. Donc si je récapitule, on est donc sur la partie notoriété. On a vu avant la partie visibilité. Notoriété, donc alors, extrêmement important sur LinkedIn. On est sur de l'influence, etc. Sans pour autant vendre tout et n'importe quoi, on est d'accord. L'influence, donc encore une fois, votre stratégie, vos personas, le contenu que vous voulez mettre en avant. Le contenu, c'est toujours la première bataille, clairement. Et là, on met en avant les carousels. Ouais. Ah bah, je vois qu'en plus, du coup, elle présente donc l'exemple que moi, j'avais fait à l'époque, qui avait généré pas mal d'interactions, on était un peu plus de 800, etc. Et concrètement, quelle a été la recette magique pour que ça fonctionne? Premièrement, il faut que votre poste, justement, apporte une certaine valeur ajoutée. C'est-à-dire que moi, par rapport à mon profil, etc., et les sujets de prédilection que j'ai marqués, je ciblais les experts en social ads, en tout cas ceux qui veulent avoir une expertise dans le domaine. Okay. Donc forcément, mon contenu est orienté là-dessus. Deuxième chose, j'ai joué sur l'actualité de la période. C'est-à-dire qu'il y avait une toute nouvelle fonctionnalité qui permettait de programmer ses stories sur Insta. Là, je me suis dit, pop, il y a un paquet de gens qui vont être intéressés, il faut que je balance la news. Il s'avère que j'étais pas forcément le premier, mais je devais faire partie des premiers, donc ça a joué en ma faveur. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que justement, j'ai essayé de faire du contenu pédagogique, on le voit à travers l'exemple des slides, mais j'ai beaucoup vulgarisé pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et vous verrez aussi qu'au niveau du texte, et de la longueur du texte, c'est volontairement long. Aujourd'hui, l'algorithme de LinkedIn favorise énormément les contenus avec beaucoup de texte, parce que ça développe ce qu'on appelle le dwell time. Le dwell time. Tout à fait. Mesdames et messieurs, on vous présente le dwell time. On aime bien les anglicismes, nous, dans le marketing. Alors, c'est quoi, du coup, le concrètement, c'est-à-dire qu'aux yeux de LinkedIn, plus une personne passe du temps sur votre post, plus, selon le machine learning de la plateforme, ça signifie que votre contenu est intéressant. Plus il le met en avant, du coup. Bah, plus il le met en avant techniquement, quoi.
Ok, donc alors là c'est un point pour le coup crucial. En termes de notoriété, si vous voulez mettre un post en avant, il faut qu'il soit long. Il faut utiliser les carousels plus que la vidéo pour la question de liberté, on va dire, si j'ai bien compris. Vidéo, même photo, en fait, à partir du moment qu'il y a un minimum d'humain, un minimum de concret, quelque chose de palpable, c'est-à-dire que vous ne balancez pas une info et puis débrouille-toi avec, il faut quand même essayer de la traduire par rapport à votre cible et que ça réponde à ses besoins, quoi. Ça, c'est hyper important. Alors, et ce que j'aime bien en plus dans les profils et les posts qu'on voit, c'est que là, on parle beaucoup d'influence, de vente, etc. Mais il y a beaucoup de pédagogie quand même. Oui, et bien ça, c'est un contenu typiquement qui fonctionne beaucoup parce qu'il faut savoir. Alors, j'ai pas la stat exacte, mais en gros, pour grossir les traits, vous avez au moins 50% de la population sur LinkedIn qui fréquente le réseau social, et j'en fais partie, principalement pour faire sa veille. Donc, pour glaner de l'information, finalement. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc là, l'objectif, dans le cadre de développer son personal branding, c'est que vous soyez un petit peu la référence dans votre domaine, et que du coup, avec du contenu récurrent, vous donniez une sorte de rendez-vous aux personnes qui se disent « Ok, lui, c'est vrai que j'aime bien ce qu'il fait, ils vont s'abonner. » Et donc, si toutes les semaines, vous montrez que vous êtes à jour sur l'actualité de votre niche et vous arrivez à justement partager des connaissances, les gens, au bout de 3 semaines, ils font appel à vos services. Donc, est-ce que ça veut dire que pour celles et ceux qui nous regardent, il faut qu'ils aient un peu une posture d'enseignant quelque part sur LinkedIn pour avoir une posture derrière d'influenceur ? Enseignant, c'est peut-être un peu fort, mais ouais, faut montrer que vous maîtrisez votre sujet et que vous êtes prêt à donner quelques miettes, mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce sont des miettes qu'on donne en fait. On ne va pas donner la solution absolue, parce qu'en fait, il faut donner l'envie aux gens, leur faire croire que c'est facile, au final ça ne l'est pas, et pour que ça réussisse justement, il faut qu'ils fassent appel à vos services, parce que vous restez l'expert du domaine. Ok, j'en profite, là il nous reste 13 minutes pour être assez précis, donc dans moins de 10 minutes, la botte secrète et ce que je vous avais promis en début où on va vous faire participer. Avant ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on va passer bientôt à votre partie, du coup, les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les poser. Je vois le chat qui défile depuis tout à l'heure. On est dans une merde, Victor. Ouais, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Alors, du coup, très bien. Est-ce qu'on a un autre exemple, peut-être, de post qui a bien fonctionné pour qu'on puisse l'analyser et rentrer un petit peu plus dans la machine? Je crois qu'il y avait... Oh la vache, il nous a pris de court. On l'a pas mis dans le runner, Sarah. Qu'est-ce qu'on fait? On est perdu. On est perdu. T'as un exemple en tête? Ouais, à l'inverse. Un exemple de Sarah. De Sarah, elle ok, très bien. Enfin. Elle se lance enfin, ça c'est plutôt cool. Alors, là c'est le moment. Là je vais me faire engueuler parce que j'ai fait un truc qui n'était pas prévu. Je vais prendre une salade derrière. Et on va être un peu contraint de meubler parce que nous on a un retard évidemment de littéralement 35 minutes à nos écrans. C'est un vrai plaisir. Mais concrètement, j'ai déjà plus ou moins en fait les posts qu'elle a en tête. Premier truc qu'elle fait très bien et qu'en effet il faut savoir faire, c'est que quand on fait du personal branding, c'est-à-dire. Je me permets aussi de rappeler ce que c'est quand même. Ça équivaut au marketing de soi. Okay. En gros, tous les codes qu'on voit chez les marques, il faut réussir à se les approprier et à les transvaser au format réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, les marques, comme je prends Nike par exemple, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des influenceurs qui s'en servent d'image pour justement faire véhiculer les valeurs de leur marque. Ils les mettent en avant. Quand vous allez faire un carrousel, ça risque d'être extrêmement chiant pour les gens d'avoir un carrousel purement textuel, alors que nous, ce qu'on veut, c'est que, en plus de glaner des informations, il y a quand même, comment dire, les gens ils vont s'abonner à votre contenu aussi pour la personne et pour les valeurs que vous véhiculez. Donc c'est hyper important, et c'est ce qu'a fait Sarah à travers ces carrousels, c'est qu'elle se met aussi en avant à travers les visuels. Ça paraît tout bête comme ça, mais moi je trouve ça hyper important, et personnellement, ça me donne un côté de transparence qui est hyper apprécié. Et en plus de ça, bah, ces informations sont plutôt cool. Donc, ça veut dire que quand même, pour avoir une stratégie d'influence, de notoriété sur LinkedIn, alors j'enfonce un peu une porte ouverte, mais je le précise quand même, il faut se mettre en avant. Il faut se mettre en avant et il est aussi hyper important d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible d'une charte graphique. Typiquement, Sarah, on voit sur ses posts qu'elle a mis en place quelque chose qui est récurrent de poste en poste. Quel est l'intérêt de faire ça? Bon, déjà, ça va renforcer votre image de marque. Okay. Et en plus de ça, une fois que les personnes... Il faut savoir que quand même, ton fil d'actualité, il est blindé d'infos tous les jours, quoi. Donc, il faut réussir à accaparer l'attention et à faire en sorte à ce que ce soit reconnaissable. Donc là, si vous avez quelque chose qui est hyper flashy et qui est hyper léché en termes de visuel, vous allez tout de suite attirer l'attention. Il y a un côté qualitatif et les gens, ils vous reconnaîtront. Ok. Ultra précis. On va passer à vos questions avant ça. Jordan, vous avez préparé en amont une checklist d'un poste qui claque. Oula, et je vais, oui. Je vais vous la lire, comme ça vous servira. Alors, checklist d'un poste qui fonctionne, du coup. Apporter du contenu de qualité avec des détails. Il faut que ce que vous dites soit concret et précis. Donc là, on est vraiment sur le contenu en tant que tel.
simplifier la lecture à l'aide d'émoticônes et de solines. Ouais. Donc là, c'est exactement pareil que quand vous étiez à l'école, que vous rendiez une copie qui n'était pas lisible, il faut faire des espaces. Voilà. Oui, en fait, on voit beaucoup de posts aujourd'hui où il y a beaucoup de lignes qui sont sautées et c'est volontaire. Ça fait justement, ça fait durer la durée de lecture, en fait. Et justement, après, ça permet de structurer les idées. C'est plus clair et plus sympa à lire qu'un gros pavé. Ok, alors le post qui claque. 1. Le contenu. 2. Simplifier la lecture. 3. Apporter et valoriser le contenu long, donc le fameux dwell time dont tu parlais auparavant. Oh là là, voilà. Je retiens. 4. Illustrer avec des exemples et si besoin des captures d'écran. Tu peux être plus précis là-dessus? Ouais, bah par exemple, quand tout à l'heure, elle présentait mon post où j'expliquais aux gens comment faire pour programmer ses stories sur Instagram. Okay. Je vais pas juste leur dire, les gars, la fonctionnalité elle est possible. Faut que je leur montre concrètement comment ça marche. Donc ce que j'ai fait, c'est que je screenais chacune des étapes, justement, de mon téléphone pour qu'eux ils soient au courant de comment ça fonctionne et où est-ce qu'il faut se rendre. Okay, top. 5e point, il en reste encore 2. Humanisez votre post avec des anecdotes personnelles ou à travers votre personnalité. Donc là, c'est le post notamment de Sarah qu'on a vu. Ça humanise concrètement et on voit qu'il a vraiment fonctionné. Et dernier point, un fabuleux titre accrocheur. Ayez un nombre dedans ou montrez que vous avez une perspective unique. Alors là, ça, tu peux être très très important. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les posts LinkedIn, plus ils sont longs, plus en fait ils vont être tronqués. Ça, on a tous fait face à ça. Et en gros, LinkedIn, il va vous afficher, je crois que c'est vos deux premières lignes de texte, ou peut-être trois premières, et après il va tronquer le texte et il incite à voir la suite. Pour que votre post fonctionne en plus d'un beau visuel, il va falloir que la toute première phrase soit hyper accrocheuse, justement, pour donner envie. Généralement, ce qui marche bien, c'est un petit émoticône un peu alarmant et un titre que nous, dans le jargon, on appelle un peu putaclic. L'objectif ici, c'est très clairement... Le fameux putaclic. On y arrive encore et toujours. Hein, mais là, il faut très clairement inciter à fond à ce que les gens viennent cliquer sur la suite pour voir l'intégralité. Donc en gros, on est sur un titre accrocheur. Accrocheur, bien évidemment. Sûr. Sur un titre accrocheur. J'espère et après, derrière, par contre, on balance du contenu pour montrer qu'on est légitime, qu'on a sa place, entre guillemets, en tant qu'expert. Exact. Ok. On passe aux questions. Il nous reste exactement 8 minutes. Donc on passe aux questions. Trop rapide. Ouais, ça passe très vite. On passe aux questions. Ensuite, je vais vous demander ce que vous avez pensé du webinaire et on passera à la fin à la fameuse botte secrète de Jordan. Alors, question de Kokoya Think Lab. Faut-il privilégier le site perso ou le site pro? Ou le LinkedIn perso ou le LinkedIn pro? Qu'est-ce qu'on met en avant? Le pro, le perso. Je pense que quand il parle de LinkedIn pro, du coup, ça va être genre la page l'entreprise, entreprise. Plutôt. Je pense que c'est la page entreprise ou votre profil perso. Alors, il y a un vrai truc là-dessus. La page entreprise, malheureusement, il ne faut pas l'oublier. Parce que faire exister votre entreprise sur LinkedIn, c'est quand même, lui donner une visibilité supplémentaire. C'est très important. Par contre, il est vrai que les pages personnelles ont toujours beaucoup, beaucoup plus de reach, donc de portée, que les posts qu'on a sur les pages entreprises. Donc, s'il y a un truc à privilégier, je resterai sur quand même le profil personnel. Pardon. Donc là, pour répondre à la question de Kokoya Think Lab, plutôt sur du personnel. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que c'est les CEO, les chefs d'entreprise en tout cas, de l'organisme en question, qui justement exploitent leur image à eux pour pousser l'entreprise en fait. Ok. Voilà. Après, vous pouvez faire bosser vos employés aussi, c'est l'occasion. Question d'Alexandra, comment créer un carrousel? Et question de Ramon aussi. Donc à Ramon et Alexandra, ils demandent comment on crée un carrousel. Alors écoutez, c'est très simple. Pour ça, une fois J'adore quand il prend son air sérieux. Écoutez, je vais vous expliquer. Moi, ce que je vous invite à faire une fois encore, c'est de vous rendre sur Canva. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer vos images les unes à la suite des autres. Et par contre, ce qui va être important, c'est au moment de l'export de votre création. Il faut l'exporter au format PDF. C'est comme ça qu'en fait, ça va se permettre, une fois que vous l'intégrez dans LinkedIn, de faire scroller. Sinon, ça va mettre toutes les images un peu en patchwork à la suite. Juste pour bien comprendre, admettons que j'ai un carrousel avec 5 slides. Ouais. T'as un seul PDF avec du coup les 5 slides dedans. Et dans LinkedIn, tu vas écrire ton texte et tu vas injecter justement ton PDF. Ok, et LinkedIn transforme automatiquement le PDF en slide. Il permet de faire slider. Parce que oui, très important, ce format-là est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'utilisateurs LinkedIn qui sont sur mobile. Donc il faut vraiment que vous ayez toujours en tête ces mécaniques de tout ce qui se fait avec le doigt, etc. Et c'est toujours plus sympa du coup d'avoir les slides à faire coulisser plutôt que tout un tas de... Et tout bête, par exemple, j'utilise pas mal LinkedIn le matin quand je vais au travail, j'ai pas le son, le carrousel n'a pas besoin de son, contrairement à la vidéo. Aussi, carrément. Question de Christophe, pour les freelances, vaut-il mieux se limiter au profil ou ajouter une page pro? Donc, question un peu similaire avant, mais un petit peu différente. Je suis freelance, est-ce qu'il me faut une page pro ou une page pro plus une page perso? Alors, moi, je vais parler de mon expérience perso. J'ai été freelance également, je précise j'ai. Pour le coup, moi, je pense qu'un profil perso il est amplement suffisant.
de peur que l'information soit trop dispatchée et que les gens ne savent plus trop vers quoi se diriger. Par contre, après, ce qui est intéressant, c'est que votre profil perso, dès qu'il y a possibilité d'exploiter justement un petit call to action pour les amener, je dis n'importe quoi, que ce soit vers votre profil Malte ou votre site perso, etc., profitez-en. Typiquement, les carousels, très souvent, se terminent par une slide où ça dit « n'oubliez pas de laisser un commentaire », une petite URL justement pour dire « allez checker mon profil » ou des choses comme ça. Ok. Donc, privilégiez le profil perso, mais bourriner avec justement des call to action vers vos plateformes fétiches, quoi. Et les call to action, ils vont se manifester comment, du coup, sur LinkedIn ? Typiquement, bah Sarah, tu peux montrer peut-être un exemple d'un des carousels que j'avais fait, et notamment l'une des dernières slides, où en fait, moi, à l'époque, je renvoyais les personnes sur mon profil Malte. D'accord. Et l'idée, c'est que bah, là, une fois, après, c'est mon profil Malte qui prend le relais. Si je l'ai bien bossé, bon, bah, les gens voient mon book, ils voient les services que je propose, ils voient ma grille tarifaire, etc., etc. Alors, je fais une petite ouverture, du coup. Là, on a vu la partie visibilité, notoriété. On n'aura pas le temps de la traiter, mais juste en 30 secondes, la partie prospection sur LinkedIn, est-ce que c'est possible ? C'est possible, et c'est même possible de l'automatiser, et ça, c'est vraiment cool. Ok, Prospecting, c'est ça le logiciel ? Enfin, il n'y a ouais. Peut-être pas que celui-là, mais... Il existe trois logiciels giga connus qui sont Phantom Buster, Walaxy et Prospecting, okay. Où en fait, en gros, vous allez automatiser vos demandes de connexion auprès de votre réseau. Donc en gros, vous allez faire votre recherche de personnes via le moteur de recherche, vous allez bien filtrer pour avoir des gens très ciblés, très précis, qui correspondent à votre niche. Vous récupérez l'URL, vous l'injectez dans le CRM, il vous sort la liste des personnes, et derrière, et bah, vous créez votre message à minima personnalisé que vous pouvez envoyer à ces personnes. La version gratuite, vous avez la possibilité de faire jusqu'à 15 demandes de connexion automatisées par jour. Okay. Mais en gros, on peut très bien scraper 500 personnes dans la base de données, et Prospecting va faire les 500 étalés sur une période, quoi. Bon, très clair, mais on n'aura malheureusement on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Achetez la formation pour Achetez ça, évidemment. La formation. Alors, non, juste peut-être pour... conclure, là, on vous prend encore 3 minutes, on va être assez concis. Avant de venir à la fameuse boîte secrète, on voulait vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez des webinaires ? Est-ce que le format vous plaît, les 45 minutes ? Qu'est-ce que vous pensez du contenu ? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus peut-être ou différemment ? Voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos suggestions qu'on prendra évidemment en compte. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc merci à vous pour vos partages. Dernier teasing, avant encore une fois que tu conclues, on fait le prochain webinaire, j'ai perdu la date, le 19 mai, sur comment construire un blog engageant. Un blog engageant, ça ne sera pas avec Jordan, mais avec Anaïs, un peu de présence féminine, ça ne fera pas de mal non plus. Donc voilà, le 19 mai, c'est le prochain webinaire, on vous enverra évidemment toutes les infos par email. Je te laisse conclure du coup sur ta fameuse botte secrète. J'ai le droit à mon jingle aussi ou pas ? Ah, t'as le droit à ton jingle. Attention, 3, 2, 1, jingle ! J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais je suis quand même content. À tous les coups, ça fonctionnait. Vas-y. Pour ce qui est de la boîte secrète, alors de base, c'était justement par rapport à la prospection, mais j'en ai une autre en tête, pas de souci là-dessus. Il existe aujourd'hui un widget LinkedIn qui a été créé par je ne sais plus qui, et j'espère que des personnes dans le chat éventuellement retrouveront ces personnes-là, qui s'appelle Perfect Post, que nous, on aime bien utiliser à l'agence. Et en fait, c'est un outil qui justement vous permet de créer des posts qui se veulent un peu plus poussés. Okay. En gros, en fait, ça va vous permettre de faire tout ce qui est texte en gras, tout ce qui est texte souligné, etc., etc. Ça va vous donner plein d'indications quand vous le rédigez, justement, s'il estime que c'est plutôt optimisé ou pas. Et en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir des analyses beaucoup plus poussées sur votre post. Typiquement, vous verrez des courbes avec les courbes de commentaires, d'interactions, de partage, etc. Donc, je vous invite à l'installer. Ça prend 30 secondes sur Google Chrome et c'est vachement bien. Ok, trop cool. Bah, écoute, Perfect Post. Pour le coup... Très concret, très précis. Alors du coup, je prends vos retours. Format OK pour Mirabel. Super webinaire pour Société Personnalité. Coco Huga, encore une fois, tout est top. Manuela, parfait. David Moine, c'est un très bon format de webinaire sur les 45 minutes et une animation très agréable à suivre. C'est un peu rapide. Merci beaucoup, David. Mirabel, encore une fois, merci à vous. Franchement, très qualitatif de la part de Lolly Girl. Peut-être une heure pour la prochaine fois. Ah, alors c'est vrai que 45 minutes, honnêtement, on a une petite frustration. Parce que là, on sent qu'encore une fois, Jordan, il est encore un petit peu sous le capot. Mais... Moi, je suis chaud patate. Mais bon, c'est un peu court, mais ça fait aussi partie du jeu. Nathalie, très intéressant sur le fond et la forme. Merci et belle journée. Christian, webinaire au top, un peu court. Peut-être nécessaire de dire machin écrit sur le chat, etc. Alors, on prend les deux retours, du coup, peut-être rajouter un quart d'heure pour la prochaine fois, pourquoi pas. Ouais. Et peut-être faire un petit peu plus de retours, de feedback à l'écrit, que vous ayez directement l'ensemble des informations. Ce qu'on fera cependant par email. Là, vous allez recevoir un mail avec le récap des principaux points clés, du webinaire et avec un replay surtout du webinaire que vous pourriez revoir du coup quand vous voulez, évidemment, le faire partager. Oui, c'est vrai que le replay est disponible que ce soit sur YouTube ou LinkedIn. Donc, et vous allez le recevoir. Du coup,
on va devoir conclure. Donc, on a vu LinkedIn aujourd'hui niveau expert. Première partie avec la visibilité, notamment le profil, avec la bannière et le fameux mode dont tu as parlé qui change pas mal de choses visiblement. Ouais. Deuxième partie avec la notoriété. La création de contenu, tout ça. Ouais. Création de contenu. On a vu que les carousels étaient très efficaces, peut-être même plus que la vidéo. Après, important de varier quand même les formats, mais en tout cas, pour le coup, c'est quelque chose qui marche. La récurrence aussi. Très important. Okay, très, top. Très important. Donc, on a vu plein de choses. Désolé encore une fois de ne pas avoir plus approfondir, mais on espère que vous avez appris. Vos retours sont vraiment positifs. Donc, merci à vous de nous suivre. On se retrouve du coup, nous, dans un peu plus d'un mois pour le prochain webinaire. Merci encore une fois à Jordan. Et merci à vous. Et à bientôt sur la station web pour suivre nos formations. Un petit peu de pub pour la fin. Allez, merci, au revoir. Ciao, ciao. I hope some dreams, but no longer need them.